Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La deuxième édition des week-ends du mérite et de l'excellence a eu lieu à la Grande Chancellerie à Cocody. La compagnie ivoirienne d'électricité ne ménage aucun effort à travers sa campagne de sensibilisation zéro accident d'origine électrique. Et il représente un réel danger pour la santé publique. Le formol est une substance chimique toxique et cancérigène. Son utilisation dans les aliments compromet la sécurité des consommateurs. Vaincre l'échec par la résilience, c'était le thème de la célébration de la deuxième édition des week-ends du mérite et de l'excellence qui a eu lieu le vendredi 28 juillet 2023 à la Grande Chancellerie à Cocody. Cette cérémonie présidée par le professeur Henriette Dagry-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, a eu pour invité spécial Régis Bamba, start-upper tech et cofondateur de la fintech Jamo. Il a partagé son histoire et celle de Jamo Côte d'Ivoire avec des étudiants de différents établissements. C'est un grand honneur pour moi d'être invité spécial. La deuxième édition du week-end du mérite, pouvoir raconter l'histoire de notre entreprise, soit de mes collaborateurs, de mon associé à ça, c'est un honneur. Et j'étais très content de pouvoir la partager avec les jeunes, avec chacun de nos chanceliers aussi, et avec toute l'assistance. Nous aimerions, en tant que jeunes, voir plus d'initiatives dans ce sens. Ça encourage à travailler et aller vers l'excellence. Et je remercie vraiment la grande chancelière pour cette initiative. C'est vraiment encourageant pour la jeunesse. C'est une initiative absolument formidable. La grande chancelière a encouragé les jeunes à devenir des modèles inspirants de demain. Qui a abouti à cette belle réussite. Mes chers enfants, vous êtes venus pour boire les paroles de votre devancée et en faire votre miel. Je vous encourage à faire preuve de la même détermination, de la même audace et de la même résilience que lui, c'est-à-dire le Rémi. Je vous encourage à devenir vous-même des modèles inspirants de demain pour vos frères et pour vos sœurs. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui a décrété 2023 année de la jeunesse, l'institution chargée de contribuer à l'émergence de nouvelles générations d'Ivoiriens pour lesquelles la culture du travail bien fait et l'obligation de résultats doivent être au cœur des actions quotidiennes, a dédié cette édition à la jeunesse. Une sphère de stockage supplémentaire. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, a procédé le vendredi 28 juillet 2023 à la mise en service de la nouvelle sphère A41 d'une capacité de 4000 tonnes de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestoci, au terminal pétrolier Avridi. Lors de cette cérémonie, le ministre n'a pas hésité, entre autres, à dénoncer la fraude dans le secteur. C'est un produit dangereux. Mais on observe depuis quelques années une manipulation illicite de ce produit. Nous avons instruit depuis notre prise de service la Direction générale des hydrocarbures afin qu'elle mène une lutte sans merci contre les fraudeurs, les contrebandiers, tous ceux qui font du transvasement illicite. Cette cérémonie était l'occasion pour Mamadou Sangafoa Koulibaly de féliciter les ouvriers de la Gestoci à travers un don de 2 millions de francs CFA. Notons que la mise en service de la nouvelle sphère A41 fait passer la capacité de stockage de Gestoci à 10 000 tonnes contre 6 000 tonnes en 2021. À Guédo-Attier, dans ce quartier, les riverains vivent au quotidien avec la peur au ventre. Pour cause, ils craignent les risques électriques. Ils cohabitent avec les installations de la compagnie ivoirienne d'électricité. C'est que si Dieu nous donne la grâce, on va quitter ici. C'est que si on souffre, le jeudi, mais personne n'a dormi. Face à cette présence de danger, la CIE s'est déployée pour informer et éduquer les populations sur les comportements à risque. Les bonnes pratiques de sécurité électrique sont cruciales pour réduire les accidents liés à l'électricité dans ce quartier. Dans l'occupation des emprises, on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est d'abord l'emprise qui est occupée par les populations, parce que ça fait que nous, en termes d'exploitation, on peut avoir des difficultés, parce que les équipes ne peuvent pas bouger très facilement.
Et donc, comme les équipes ne peuvent pas bouger facilement, c'est très difficile de pouvoir atteindre les différents objectifs. La seconde problématique qu'on doit gérer, c'est la sécurité des biens des personnes. Dans la sécurité des biens des personnes, tout ce qui peut arriver, c'est d'abord en termes d'accidents d'origine électrique. Dans les accidents d'origine électrique, ça peut être des accidents de dommages corporels, donc en termes d'électrisation, en termes d'électrocution, ou bien en termes de dégâts matériels. La visite de ce jour s'est poursuivie à Bain-Jarville. Ici, la ligne appelée 90 KV ou Bain-Jarville-Bassam présente un gros danger. Elle alimente les communes de Grand-Bassam, de Bain-Jarville, de Beaunois, etc. De loin, nous apercevons un pylône électrique presque déchaussé. Si rien n'est fait, il risque de tomber et les conséquences peuvent être très lourdes. J'ai un site à Bain-Jarville. Le problème que ça pose, c'est le problème d'abord, on a deux problèmes en termes d'accès à l'ouvrage. Quand vous voyez, le site est totalement, le soir, le pylône est totalement déchaussé. Donc, en termes d'accès, je le sais, nos équipes doivent intervenir. Le temps de, ça sera très difficile de pouvoir accéder aisément. Et puis, le second risque qu'on doit gérer, c'est le risque éventuellement de chute du pylône. Parce que l'embase est totalement déchaussée. Et donc, si on n'arrête pas cette activité et que ça se déchausse davantage qu'il y a une situation d'éboulement, cette ligne-là peut tomber. Cette ligne-là, c'est la ligne qui va à Bassam et qui prend pratiquement toute la zone sud-est. Et donc, ça peut véritablement être difficile en termes de reprise. Parce que pour pouvoir reprendre la ligne, sinon, à la limite, on ne pourra pas alimenter toute cette zone-là. La CIE continuera de mettre en œuvre des initiatives similaires afin de renforcer les connaissances et la sécurité électrique au sein des communautés. Avec de telles actions, il est espéré que les citoyens d'Abidjan pourront utiliser l'électricité en toute sécurité et réduire les risques potentiels pour eux-mêmes et pour leur environnement. Plus souvent utilisé pour embaumer et conserver les cadavres dans les morgues, le formol est également employé pour allonger la durée de conservation de certains aliments tels que la viande, le poisson et la banane plantain. Le formol remplacerait le sucre dans les jus de fruits, les amuse-gueules, le pain, les gâteaux, la bouillie et autres boissons et aliments sucrés. Les revendeuses préfèrent utiliser, selon elles, le formol qu'elles disent plus sucré au détriment du sucre ordinaire, le saccharose. Au Cameroun, le phénomène est devenu monnaie courante. Professeur Gisèle Etam-Loé, docteur en pharmacie camerounaise, a, dans une de ses communications, signifié que ce produit présente un risque de toxicité aiguë ou chronique et est cancérigène à partir d'une certaine dose. En plus, toujours selon elle, le formol entraîne des troubles respiratoires graves au niveau de l'estomac, de l'intestin et des reins. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.